Bonjour à tous, bienvenue sur ADB Live France, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle session illustration avec Clémentine et Kiwi Pastèque. Bonjour. Hello. J'espère que vous allez tous bien. Dans le chat, je vois déjà des gens. Bonjour Alison, Bréa, Thierry, tous les habitués. Aujourd'hui, on a un petit challenge spécial. Si vous suivez Clémentine et Camille sur les réseaux, vous devez les suivre, de toute façon, ça c'est évident. Il y a eu une petite bataille ce week-end pour savoir quelle illustration allait être la gagnante et la seule qui allait avoir eu l'honneur d'être reprise. En fait, c'est le challenge du jour. Les filles, si vous voulez vous présenter et expliquer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez. Oui, Camille, ben, je te laisse. Je profite d'avoir un peu de connexion, parce qu'on a encore aussi comme la dernière fois. Avec Clémentine, on va redessiner une illustration qu'on a réalisée il y a longtemps. Donc moi, pour ma part, c'est une illustration que j'ai dû faire en 2019. Et du coup, j'avais... Bon, je prends le relais. La dernière fois, on avait eu problème, donc voilà... ouais, donc c'est ça l'idée, c'est challenge du redraw. En fait, c'est une espèce d'auto-drawsy senior style. On dessine une ancienne élue et qu'on reprend avec notre style ou notre technique de maintenant. Et comme Camille est de retour, elle en était à 2019. Donc la tienne date de 2019. Une élue de 2019. C'est ça, exactement. J'avais fait une série d'illustrations avec des têtes colorées et du coup, là, je challenge de la reprendre avec un style, avec le style que j'ai actuellement. Et cette illustration a gagné contre Giraffe. Oui, contre Giraffe. Ce merveilleux jeu de mots que j'avais fait avec une girafe. Incroyable. Et toi, Clémentine, tu vas reprendre Moi, j'avais une illustration avec les animaux de Brenne, mais que j'avais faite vraiment il y a un bon paquet d'années. Je crois que c'était 2016, peut-être même avant. Et sinon, il y avait celle-ci. Donc, c'est... une des premières élus que j'ai faites sur Fresco, je crois, en 2020. Enfin, c'était dans mes débuts avec Fresco, sur l'iPad. Donc, elle n'est pas si vieille. Et en fait, en soi, mon style n'a pas tant changé. Mais je me suis dit que j'allais utiliser un traité que je fais plus maintenant. Et je pense que ça peut être intéressant. Ça fait un exercice de style assez cool. C'est sympa comme exercice de reprendre des vieilles élus et de voir un petit peu au fur et à mesure des années qui changent. Donc voilà, on a deux bons prétextes. Et là, t'as rajouté un petit chien. Et oui, parce qu'en fait, dans les animaux de Brenne, j'avais un carlin. Oh. Et j'ai décidé d'intégrer un carlin dans l'illustration, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Camille a un carlin nommé Nagini. et donc, il y a un hommage. Voilà. Non, mais c'est... Voilà. Là, il est parti, mais ça aurait été la star du live, sinon. Là, il est occupé, il fait des trucs de carlin. Donc, je me suis dit, comme ça, pour ceux qui avaient voté pour l'autre option, c'est pas complètement une déception, parce qu'il y a le lien avec le carlin. Et puis, voilà, ça fait un clin d'œil. À ton toutou, Camille. Oui, merci beaucoup. Je suis trop contente. Et je suis sûre que Nagini est extrêmement touchée aussi. J'en suis sûre. Mais il a trop de fans. Il est là, genre, arrêtez, stop. Stop là, j'en peux plus. Je défaillis. Et ce qui était assez intéressant avec... Enfin, il y avait une fonction de Fresco qu'on trouvait sympa de montrer avec ce challenge. C'était le fait que maintenant, il y a une possibilité, quand on importe une image, que la palette soit extraite automatiquement. Je ne sais pas si Camille, tu l'as déjà fait ou... Du coup, je l'ai fait à l'occasion de cette illustration.
Déjà, on le voit déjà avec directement là dans ce que donc quand j'ouvre en fait ma palette couleur où du coup on voit que j'ai une palette qui s'appelle bleu et jaune qui est en fait le nom de mon illustration. Et mais du coup je peux montrer directement comment on peut faire. C'est vraiment très simple. Hop, hein, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon illustration. Hop, mon écran, voilà. Du coup, en fait, c'est vraiment très, très simple. C'est-à-dire qu'il suffit d'importer une image dans la palette, de la cliquer, glisser, donc notamment là avec l'iPad. Et du coup, juste en sélectionnant l'image, alors, je vais y arriver, voilà, je vais la mettre directement dans ma palette et en fait on voit tout de suite la palette de couleurs. Oh. En fait ça la décompose automatiquement quoi. Enfin, au lieu de passer par Adobe Color en fait. Ouais. Ah ouais, c'est quand même beaucoup plus pratique quoi. Parce que sinon ça fait deux étapes et là en fait tu fais direct sur iPad. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne la met pas directement dans la palette active, donc des couleurs que l'on a utilisées pour le moment. On a juste à les sélectionner et au fur et à mesure, on les utilise, ça va l'ajouter dans la palette. Donc, pour le coup, c'est hyper pratique. C'est une autre manière encore de créer des palettes, autre que, par exemple, quand on utilise Adobe Color ou alors lorsqu'on se met des images de référence, des... Ouais. Et pour prendre le relais, si ça ne marche pas, en fait, si vous ne trouvez pas cette fonction, dans les paramètres de l'application, je ne sais plus où, voilà. Ici, il y a créé automatiquement une palette de couleurs. Et si c'est décoché, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas avec la mise à jour, ça se passe ici. Ah, c'est trop bien. Et en fait, comme Camille, je l'ai fait aussi, mais ça exporte vraiment une grande variété de couleurs. Je ne sais pas si... Ça fait ça, Camille, si tu en as resélectionné parmi ça. Oui. Mais par exemple, moi, j'en ai pris quelques-unes là parce que j'ai pas besoin d'avoir l'arc-en-ciel. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Voilà. Donc, Camille, toi aussi. Ouais, pareil. Moi aussi, j'ai pris que certaines de couleurs, en fait, les majeures, parce que, en fait, finalement, les autres couleurs qui ont été exportées. Ok. c'est un ping-pong. Ouais, mais en fait, il y en a beaucoup qui se ressemblent, qui sont assez proches. Là, je pense que vous voyez dans ma palette, il y en a vraiment qui sont très très proches. Donc, ouais. En fait, il a mis les différentes teintes et saturations. C'est la même couleur. Ça, en fait. C'est ça, exactement. C'est toi qui choisis en fait pour avoir le meilleur. Ouais. C'est ça, exactement. Et du coup, je suppose là, vu que ça m'en a importé une. La bleue et jaune, qui est du coup l'image que j'ai importée, probablement qu'il est possible aussi, on peut faire le test directement, d'en avoir plusieurs. Du coup, si je prends une. Donc, effectivement, il recording est possible d'en avoir plusieurs. Je confirme. Et c'est vraiment hyper pratique. C'est super pratique en fait que ce soit interne à Fresco et qu'il n'y ait pas besoin de forcément de passer par Adobe Color. Ouais. Eh ben non, c'est un échec. Je voulais voir si t'as... Ah, peut-être non. Ah non. Eh ben je voulais tester voir si on pouvait faire sur différentes images, mais a priori ça ne veut pas fonctionner. Ok. Donc j'ai donné de fausses infos, mais il faudra qu'on teste. En tout cas, déjà voilà sur une image. Ah si. Pardon. J'ai rien dit. Je viens d'importer une autre illustration et il vient de me créer une palette de couleurs du coup au nom de mon autre illustration. Ah non, tu peux avoir les deux. Donc on peut du coup avoir plusieurs images et plusieurs palettes de couleurs en fait dans le même document. C'est ça. Oh, ça c'est pratique quand même. Et il y a aussi une autre fonction qui est nouvelle avec la dernière mise à jour et que je vais montrer tout de suite parce que je vais l'utiliser en fait sur tout mon ilu. C'est la dynamique de la couleur. Je pense que ceux qui peignent déjà sur Photoshop doivent connaître. Dans les paramètres du pinceau dans Photoshop, en fait, on peut faire en sorte que quand on peint avec une couleur, il y en ait d'autres qui arrivent parfois par touche de manière aléatoire. En fait, je pense que ça peut faire penser à comme si on peignait avec un pinceau avec du rouge, mais qu'on avait encore un peu de vert de nos brosses d'avant, et que des fois ça arrivait comme ça. Je ne sais pas si c'est clair comme. Montre-nous. Mais je vais vous montrer, en fait, ça se passe donc ici.
Et là, j'ai envie de dire Big Up Franck qui m'a montré que ici, là, je ne sais pas si vous saviez, on peut faire des démos dans cet encart, des réglages qu'on a fait. Ah, je wow. Ne sais pas. Et donc ici, bah, des trucs de réglage de pinceau assez classiques, d'espacement, de rythme, de pas, d'angle, etc. Et ici, il y a dynamique de la couleur. Et là, on peut varier les teintes. Là, on voit que dans le vert, il commence à avoir un peu tout l'arc-en-ciel. Mais si, par exemple, on met un peu, bah là, par exemple, ça tourne autour du bleu et des teintes analogues dans le cercle chromatique. Et on peut aussi varier la saturation. Là, ça veut dire qu'il va y avoir des zones plus ternes, moins ternes, plus vives plutôt, luminosité. Voilà. Donc, je vais partir là-dessus. Ah, c'est ouf, quand même, de pouvoir faire ça directement, quoi. Mm. Mm. Ah ouais, donc après, toi, tu peins direct avec ça et ça te fait ton c'est mélange ça. De couleurs, quoi. C'est ça. Oh, la technologie, n'est-ce pas? Tellement pratique, c'est... Oh là là. Et quand tu choisis tes palettes de couleurs, là, par exemple, t'en as pris... Il y en a pas mal, là, pour le coup. Parce qu'encore, Camille, elle a une palette qui est plus réduite. Ouais. Enfin, moi, en général, je reste plutôt vers 5 couleurs. C'est pas... Toi, tu arrives à gérer quand il y en a... Enfin... Ouais. Ouais, j'aime bien. De toute façon, je pars beaucoup... Enfin, je limite quand même... beaucoup moins, ça c'est clair, mais par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même m'interdire tout un type de couleur. Donc c'est, la palette, elle est étendue, mais par exemple, bah, là sur ça, je ne me suis pas interdit grand-chose. Mais par exemple, je veux dire, dans les tons froids, par exemple, à part cette teinte-là, je n'ai pas franchement de... Bon, là, ça devient plus très vrai, un peu en train d'en sortir déjà d'entrée, donc super. Mais il n'y a pas de certains niveaux de couleurs que il n'y a pas. Enfin, voilà. Bon. Ouais. Pour le coup, là, c'est vrai que ça part assez loin, mais ça va. J'aime bien. On va voir ce que ça donne. Après, comme tu as une sorte de. Enfin, comme il y a le mouvement du pinceau, ça fait un petit côté craie. C'est ça. Blanc-vert. Ouais. Ça casse un peu le froid en fait, du bleu. Ouais. Ça, c'est vraiment une de mes brosses préférées. Ça s'appelle brosse rugueuse. Et c'est cool. Ouais. On a Yves qui dit, si toutes les brosses de Kyle ne suffisent pas, on peut en créer avec l'application Capture. Thème pour les couleurs et la bibliothèque Adobe. Merci Parfait. Pour le complément d'information. La prochaine fois, il faudrait créer une brosse en live dans ces cas-là. Ça pourrait être cool, hein, ouais. Et Camille, je vois ton crayonné, en fait, on ne l'a même pas spécialement vu, mais pour le coup, je trouve que tu joues encore plus le jeu que moi d'adapter ton ilu avec ton style actuel qui a vachement changé, c'est dingue. Quand je suis remontée dans ton feed Instagram, ça a tellement bougé. Je crois qu'on l'a perdu. Ah. Je suis revenue, du coup, je n'ai pas entendu ce que tu m'as demandé par rapport à mon crayonné. Non, je disais que en fait, ce qui était super cool avec la préparation de ce live, c'est que ça nous a amené à remonter dans ton fil Instagram et ton style, ta main, elle a tellement changé. Enfin, il y a des choses qui sont restées, mais là, pour le coup, toi avec cette ilu, je trouve que l'avant-après, il va être super impressionnant, quoi. Ouais, j'en avais parlé plusieurs fois dans les premiers lives que j'avais fait, c'est que mon dessin. Ah. En tout cas, je vous invite vraiment à aller voir. Oui, on peut voir toutes les différences, les différentes évolutions de son style sur Insta, c'est hyper intéressant. Elle va peut-être revenir pour expliquer la fin. Et donc, du coup, si on revient sur mon profil Instagram. J'ai des choses qui sont très différentes dans ce qui est ancien. Et pour les plus curieux, curieuses, le plus drôle, c'est d'aller sur Facebook. Parce que c'est là où j'ai vraiment... on peut faire de l'archéologie de style. Parce que j'ai vraiment des dessins qui datent de 2015, 2016. Et où là, vraiment...
pas vraiment, enfin rien à voir, oui et non, on reconnaît quand même un peu mon style, mais du coup, les sujets. Et le traitement graphique est quand même différent de ce qu'elle faisait avant, en termes de dégradé et tout, ça n'a rien à voir quand même. Vraiment. C'est surtout les proportions des personnages là, Ouais. ça va. Ils ont des petites têtes qui commencent à s'enfoncer dans des épaules généreuses et c'est En hyper sympa. live. Même la compo, rien à voir aussi. Ouais, bah, c'est ce que je disais. On avait discuté un peu avec Clémentine du fait que moi personnellement, j'avais pas mal galéré dans l'élaboration du croquis, notamment pour trouver le posing. J'ai testé plusieurs choses, bah, je peux même vous montrer, hein, où du coup j'avais testé plusieurs croquis. Donc un premier qui était plus proche déjà de la composition de l'original, c'est-à-dire un portrait très posé. En tout cas, voilà l'évolution du style. Je pense que autant ça me donne l'idée d'un conseil. Enfin, je sais que par exemple, mes étudiants m'ont déjà Pour qu'il demandé le laisse entendre, j'ai laissé de côté ça assez rapidement parce que ça faisait pas de sens. Et du coup, c'est à force de crayonner que je suis arrivée à une compo qui me plaisait plus. Mais je savais que ouais, c'est un peu la difficulté du challenge du jour, c'est qu'est-ce que je reprends de mon illustration et qu'est-ce que je ne reprends pas. Et donc au final, j'en reprends les motifs, la palette de couleurs, mais je me suis très éloignée en fait de son aspect originel. Mais c'est ça qui est cool. Et ce que je disais avant, c'est par rapport à au fait que faire évoluer son style, trouver son style. En fait, quand on voit ton mur, on se rend compte que ça s'est fait sur le long de manière assez naturelle. Et qu'en fait, le secret, je pense que c'est ça, c'est le fait de produire, de faire des expérimentations. En fait, je trouve que ça revient à des fois, je ne sais pas, si on fait tout le temps les personnages d'une même façon, bah, un jour changer un petit peu la forme des yeux, un jour changer un petit peu ça. En fait, ça se fait naturellement. Et on peut Exactement. arriver à un résultat comme ça qu'on n'aurait jamais anticipé il y a quelques années. Et en fait, ça fait juste quelques années. Hein, donc, il faut imaginer, ça se trouve, dans 3 ans, ton style, on ne peut pas du tout anticiper comment il sera. Je trouve Non. ça trop, trop bien. Oui. Ah, complètement, et c'est ce que je trouve aussi intéressant, même quand je regarde le travail d'autres illustratrices, où du coup aussi j'adore remonter, en fait, notamment sur Instagram, sur le fil d'Instagram, pour voir ça ressemblait à quoi il y a quelques mois. Ouais, oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Il y a un truc aussi sur Instagram avec les illustrateurs et illustratrices et leur style, c'est qu'il y en a beaucoup qui archivent. Ouais. Il y a beaucoup qui archivent et des fois je trouve Comment? ça dommage Oui. sur Instagram parce qu'en fait quand tu remontes tout, c'est hyper intéressant de voir et de te rassurer en fait, genre, ah ouais, donc lui aussi ou elle aussi, elle a commencé à ce niveau-là. Ouais, en même Ouais. temps, moi je sais que je fais quand même un tri assez régulièrement. Il y a des choses que je laisse volontairement pour ceux qui sont assez curieux pour aller se remonter tout mon feed, mais juste pour montrer. Voilà, j'ai su faire ça à un moment, il y a une preuve quelque part. Ouais. Mais il y a aussi des choses qui sont juste enfin, soit que j'ai plus envie de montrer ou dont la qualité même du poste n'est pas terrible. Voilà. Globalement, je laisse des preuves, mais jusqu'à un certain point. Il y a des Ouais. choses. Tu fais quand même un tri, quoi. Tu nettoies le Une feed fois de de... temps en temps. Une fois de Ouais. temps en Parce temps. que pour un peu laisser de la place, de pas avoir, tu vois, trop de choses sur mon profil alors que je produis déjà pas mal. Et aussi parce que c'est des illustrations, en fait, que je trouve pas forcément intéressantes, quoi. Parce que fut un temps, quand j'avais commencé mon profil Instagram, je publiais un peu à tout va. Et il y a des dessins, au final, qui auraient peut-être mérité de pas être publiés pour le coup, parce que pas très intéressant, qui aurait pu rester en juste à l'état de recherche et pas forcément être montré et tout ça. Et du coup, je préfère garder des choses dont je suis un peu plus content, même si aujourd'hui,
J'imagine que c'est même si aujourd'hui, je... Oui. va... C'est une phrase à trous. Deviner la fin des phrases de ouais. Non, mais dernièrement, je me suis posé la question... C'est tout le fil Instagram. Ah. Ah. Ok, je l'ai bien. Il nous a manqué une partie de ta phrase, Camille, ça a bugué. Ah, pardon. Je disais que du coup, je laisse quand même quelques-unes de mes vieilles illustrations pour les plus téméraires. Pour qu'ils puissent venir, s'ils ont le courage de tout faire défiler, d'aller voir un peu ce que je pouvais faire il y a 2 ans. Et, enfin, même 3 ans maintenant. Ah ouais. Et, voilà. C'est pas si vieux, 3 ans, pour le coup. Hein. Non. Moi, j'ai des trucs de 2015, je crois, 2016. Genre, si tu remontes. C'est pas vieux, mais en 3 ans, des fois, il y a des... Ouais. Si tu peux avoir déjà des évolutions... Si tu produis beaucoup de manière générale. Ouais. J'ai pas entendu, du coup, Lucie, j'ai cru comprendre que tu posais une question, mais ça a coupé juste après. J'allais poser la question, est-ce que vous avez déjà fait le Inktober? Oui. Ah bah oui. Oh. Je l'ai fait, moi je l'ai fait 3 fois. Oh my god. Alors, 2 fois jusqu'au bout et l'année dernière avortée en cours de route parce que j'arrivais plus à tenir. Mais du coup, ouais, je l'ai fait 3 fois et c'est trop bien. Moi, j'avais fait une version où tu avais le week-end dedans. Je sais plus qui c'est qui l'a mis, mais c'était assez incroyable parce que le Inktober de base, il n'y a pas le week-end et donc tu es obligé d'en faire genre non-stop quoi. Et là, c'était la version où le samedi dimanche, tu étais off. Donc tu pouvais rattraper tout l'Inktober qui manquait. Mais j'ai quand même pas réussi à finir. J'ai fait quelques années, je l'ai fait surtout quand j'étais étudiante. Et après, je le fais chaque année. Je finis toujours par courir après le temps à un moment donné. Mais du coup, ouais, généralement, je le prépare à l'avance, ce qui me permet de ne pas être trop à la rue niveau rythme. Mais ouais, clairement, c'est à la fois une course d'endurance et un sprint. Donc, c'est assez intense. Comment tu disais que j'en fais peut-être 2-3 max, histoire de dire coucou. Voilà, participer un petit peu à l'émulation que ça crée, mais clairement avec tout le boulot que j'ai aussi maintenant. Je sais que quand je participe à des challenges, c'est vraiment ma récré et qu'il est hors de question que ça devienne un truc qui me met la pression avec des histoires de boulot, etc. Je suis totalement d'accord avec ça. Je trouve ça trop cool quand, déjà, même s'il y a des pros qui le font et qui font des trucs trop bien, je pense à Nicolas, j'ai oublié son nom de famille, je viens de le prononcer. Et qui faisait des choses, peut-être Alexandre Nicolas Galkowski, je crois que c'est ça son nom de famille, et qui a fait des séries hyper cool, minimalistes, avec un peu en aplat, avec des styles rétro. Et ça c'est top quand on sent qu'il met ça au service de son book et c'est hyper sympa. Mais alors sinon, plus le temps personnellement de faire les 30. Ou faut que je me dise. Que j'en faire quelque chose derrière, que ça va être pour vendre des prints, quoi, mais là maintenant c'est. C'est un truc. C'est aussi une question que je voulais vous poser en tant qu'illustratrice, parce que maintenant que les vacances arrivent, c'est un peu genre. Moi personnellement, c'est une bataille avec mon copain. Il ne comprend pas pourquoi je dessine pendant mes vacances, alors que mon taf, c'est de dessiner. Et tu dessines pour toi ? Tu dessines des trucs perso ? Je dessine pour moi et je fais des projets perso. Mais en fait, le truc, c'est que la finalité, c'est qu'après, quand je suis contente, je les mets dans le book. Donc, il y a quand même un aspect professionnel, quoi. Ce que je vais créer, ça va être utilisé à la fin pour moi, me promouvoir ou alimenter un staff. C'est des conditions un peu plus de laboratoire, en fait. Tu n'as pas la pression d'une attente. C'est ça. C'est ça. Genre, il y a plein de trucs que je suis sur Insta, sur des briefs, tu sais, des faux briefs de clients, etc. Mais... Je comprends que d'un point de vue extérieur, quand on travaille pas dans ce métier-là, les vacances, c'est pour faire autre chose que ton métier. Donc, il y a un peu ce côté genre... En même temps, moi, j'estime que c'est un loisir. Mais comme ce loisir est genre mélangé avec la vie pro... C'est toute la différence aussi avec le fait que c'est notre métier, mais c'est aussi notre passion. Ça, le truc, c'est qu'en fait, moi, je vois ça comme un truc de détente, c'est vrai. Ouais, et puis,
Et puis, il y a aussi, toute l'année, on bosse. Des fois, on n'a même pas le temps de se poser pour savoir ce qu'on a appris, qu'est devenu notre style et tout. Des fois, l'été, ou des fenêtres comme et ça, du coup, de liberté. Le fait, comme disait Clémentine, le fait de dessiner pour soi, en fait, ça n'a pas du tout la même connotation, la même énergie, la même charge mentale que quand tu dessines pour un client ou quoi. Hein. Mm. Déjà, la contrainte, le fait de ne pas avoir de deadline précise et de pouvoir laisser le dessin, l'illustration et de revenir, genre, 2-3 jours après dessus, c'est quand même un luxe, quoi. Ah bah oui, complètement. Oui, et puis, je pense qu'à moins vraiment qu'on veuille faire un projet perso spécifique, je sais, parce que j'en ai fait expérience pendant mes dernières vacances, là, que par contre, les fois où je suis venue vers le dessin, ça venait vraiment l'intention de me faire plaisir, c'était là, ça m'avait fait vachement bien. Ça, c'est vrai que je me mets de manière très automatique à dessiner pour le boulot, mais par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne et que je suis à sec complet dès qu'il faut que je fasse un truc perso ou que ça devient une demande un peu moins officielle ou que je dois rendre service graphiquement à quelqu'un. Là, c'est bon, il n'y a plus personne. Donc, c'est si pendant les vacances en fait tu as trop envie de dessiner, bah, je trouve ça super. Enfin, ça, c'est... Après, aussi, des fois, il faut juste savoir lâcher quoi, aussi et pour mieux y revenir. Mais bon, après, je pense que ça dépend vraiment de la personnalité et de ce qu'on met dedans. Oui. Ah, c'est non, ça aussi le truc. C'est que... Oui, je vois les yeux du cadre. Oui. Mais est-ce que les gens dans le chat, vous, est-ce que pendant les vacances, vous dessinez ou vous créez des trucs graphiques? C'est vraiment genre ça, j'ai l'impression que beaucoup de gens le font. Et... On est tous. C'est tellement cool de pouvoir le faire pour soi, quoi, d'avoir du temps. C'est clair. Alexandre dit oui. Alexandre dit oui. Merci, Alexandre. Complètement. Et moi, je sais que les périodes où je vais avoir des charrettes et où je peux pas, j'ai pas le temps de dessiner pour moi, c'est des moments où ça me manque vraiment. Et je sais que ça participe aussi à comment dire, ma santé mentale. Le fait d'avoir le temps ou pas de dessiner. Et parfois, si je n'ai vraiment pas le temps la journée, ça peut m'arriver le soir de sortir ma palette, de sortir ma tablette et de dessiner pendant des soirs pour pouvoir au moins dessiner quelque chose pendant la journée. Ouais, je comprends. C'est frustrant quand tu n'as pas le temps du tout. En agencement. Jean-Simon qui dit « Il me semble que quand je travaille pour moi-même, je ne me contrains pas autant vis-à-vis des règles techniques et de mon style. » Oui. Alors qu'avec les clients, j'ai tendance à aller voir, à faire ce qu'ils ont vu de moi par le passé. Oui, effectivement, oui, c'est le moment où tu peux tester des trucs, quoi, parce qu'en fait, personne ne va le voir. Enfin... Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas la contrainte technique. On n'est pas censé faire un fichier avec tous les calques nommés, faire des exports spécifiques où tout doit pouvoir être récupéré. Ouais. Par un client, ouais, c'est vrai. On a Héloïse qui dit qu'elle ne fait pas d'illustration dans son boulot, alors elle se défoule pendant les vacances. Ouais, ça, je peux comprendre aussi. J'ai fait des tafs sans illustration et tu... Au bout d'un moment, c'est compliqué, quoi. Tu as envie de faire des choses... Donc c'est bon, Lucie, t'as pris un max d'arguments pour... Moi, je suis prête. Pour défendre le fait que... Que tu vas pas à la plage parce que tu restes collé sur ton iPad. Mais pour moi, c'est pas du boulot, donc en fait, je comprends pas le. Enfin, en fait, c'est du plaisir, quoi. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, je peux comprendre pourquoi. Enfin, quelqu'un qui n'est pas dans notre métier ne comprend pas ça. Enfin, tu vois, un comptable, il va pas faire des fiches Excel pendant les vacances, quoi. Je ne sais pas. La face cachée. Il y a des gens qui aiment vraiment Excel. Hein. Il faut pas les juger, mais moi, je connais des gens qui aiment vraiment ça. Il y a des gens qui font des illustrations sur Excel. Hein. Non. Il y a des gens qui font des illustrations sur Excel. C'est hyper impressionnant, quoi. Ils font du pixel art. Incroyable. Ah oui, dans les cases Excel et tout. Ouais, dans les cases, ouais. Tu pourras m'envoyer... des artistes Excel. Excel artiste. C'est incroyable. Pourquoi pas, hein. Il faut pas, ne jugeons pas. Ne jugeons non. Pas. Non, mais nous, on peut faire des trucs comme ça pendant les vacances, mais c'est vrai que tu vas pas faire des dossiers sur ton temps libre, c'est un peu bizarre quand même. Tu es dans un boulot. Il y a des gens bizarres.
Il y a des gens bizarres, c'est vrai. Et Louise, elle dit les comptables passionnés. Bah écoute, moi j'adore s'ils font des trucs sur leur fiche Excel. Let's go. Ah, Franck, il dit je préfère Google Spreadsheet. C'est un spreadsheet artiste, Franck. On voit des fois, c'est des concepts comme ça les plus farfelus ou détournés qui peuvent sortir des idées complètement novatrices. Et puis ça veut dire que en fait, le matériel n'est pas très important dans ce que tu fais en vrai. Puisqu'ils font des trucs de ouf sur Excel, quoi. Et Alexandre dit, il a vu une personne de 90 ans qui fait des trucs sur Paint ou sur Word. Ouais, oh là. En vrai, si tu as du temps et beaucoup d'expérience avec Paint, tu peux faire des trucs de ouf, hein. Ah mais c'est sûr, hein. Enfin, encore une fois, on peut s'amuser à détourner des outils. C'est comme il y avait, je sais plus, je suis sûre que Simon qui est dans le chat pourra rebalancer la ref, mais il y avait un photographe qui s'amusait à faire, donc qui fait des vidéos YouTube et qui s'amusait à faire venir d'autres photographes professionnels à faire passer une journée à faire une séance photo avec des appareils photo complètement pétés. Donc, genre. Ça me fait penser à une illustratrice qui avait comme ça utilisé des Crayola, des choses de vraiment du matériel pour les tout tout petits au service de son style pro et abouti. Et en fait, c'était Photos super à marrant. partir de ça, et c'était hyper intéressant. Et il y avait certains photographes et qui avaient sorti des clichés super classe avec, donc en jouant justement avec les contraintes qu'imposait l'utilisation d'un tel outil. Mais même les appareils photo portables, enfin, maintenant ça coûte très cher, mais il y a une époque où quand même ça coûtait pas grand-chose, quoi. Et en fait, tu peux les laisser sur. Enfin, moi, une fois, j'en ai laissé un sans faire exprès sur un radiateur et toutes mes photos avaient un aspect, tu sais, genre quand j'ai fait développer. Ouais, elles avaient une sorte de halo orange chelou qui était vraiment très cool et sans faire exprès, quoi, avec quelque chose qui avait coûté 5 balles, quoi. Ouais, Et c'est juste le plaisir d'expérimenter avec ce genre d'outils. c'est ça. Il y a Sven qui dit 88 ans, artiste sur peine, Conchaca, Gracia Saria. Je pense que j'ai défoncé le nom. Je vais regarder. Qu'est-ce que c'est? C'est J'ai un pas. artiste qui fait des illustrations sur Paint. Et il a 91 ans. Oh my God. Oh, c'est fou. Après, je pense que par exemple, rien qu'avec des outils comme Fresco et tout, il y a moyen de se limiter à fond et d'utiliser par exemple les outils les plus bruts avec une palette limitée brute. Et voilà, enfin, à mon avis, ça peut marcher. Marché. Et donc, j'avais posé la question du vacances, boulot, illustration, loisirs. J'en avais parlé avec Mikanke, Clémentine sur Instagram. Et elle m'avait dit qu'il y avait peut-être une solution, c'était peut-être par exemple que quand tu es en vacances, tu utilises un autre médium pour tes illustrations. Carrément. Et en fait, tu laisses le digital pour le boulot, quoi. Ouais. C'est clair. Et après, là, moi, par exemple, j'hésitais peut-être un petit peu. C'est dur de dire ça parce que ça engage à des attentes, mais j'aurais bien aimé pour moi, donc si je ne le fais pas, ce n'est pas grave, de faire un petit peu d'animation, en fait, un tout petit peu. Oh, trop bien. Sur Fresco, justement, et enfin, un petit projet perso. Voilà, et puis peut-être reprendre l'aquarelle aussi, mais motivé juste par l'envie de m'amuser. Mais aussi, je sais que je vais forcément dessiner et me former pendant une partie du mois d'août. Je sais aussi qu'il y a vraiment cet enchaînement toute l'année, des fois, il ne permet pas de se poser, de se former. Et moi, il y a des choses là que j'aimerais mettre au clair pendant l'été pour être tranquille. Vraiment. L'expression mettre au clair, ça fait trop genre. Ouais. Mais tu sais, des fois, tu bosses, tu utilises des trucs d'une manière un petit peu artisanale, pas hyper optimale. Et donc, ouais, il y a des choses, je sais que je suis passée à côté de certaines fonctions ou quoi dans l'année.
dans tous mes logiciels favoris, dont Illustrator notamment, comme je sais qu'à la rentrée, je dois faire des interventions un peu plus poussées, et bah, il va falloir que je sois au niveau. Voilà. Et toi, Camille, pendant l'été, est-ce que tu voudrais te mettre à d'autres médiums ou tu as d'autres choses que tu as envie d'essayer ? Ouais, moi, j'aimerais beaucoup, pendant l'été, prendre le temps de me mettre à la gouache, dans le sens où je ne fais pas du tout d'illustration traditionnelle. Je n'ai jamais été à l'aise pour dessiner avec... Il faut finir les phrases. À la gouache, au crayon, à votre avis, qu'est-ce que c'est? À l'aquarelle. On a Sven qui dit qu'en médium sympa, avec un ami, il fait des photos avec une Game Boy caméra. Mais non. C'est incroyable. Mais d'où quoi? C'est trop bien. C'est incroyable, ouais. Ah, il y a Franck qui demande si tu veux faire des sessions training cet été, Clémentine. Training sur... Il faut fuir sur Illustrator, je pense. Bah, et non, après, s'il veut suivre mes cours d'illustrateur, il peut s'engager dans un cursus animation, game art ou illustration bande dessinée en 3 ans post-bac. Et... Mais après, qui sait, hein, peut-être qu'un jour, je mettrai en ligne des contenus et tout. Camille, tu as été coupée, tu disais que tu n'avais jamais essayé. Et là, on a essayé de deviner la suite. Ouais, je suis vraiment désolée. J'espère que ça va se stabiliser un peu. Du coup, je disais que oui, j'ai jamais fait de technique traditionnelle, donc j'aimerais beaucoup m'y essayer. Et le fait d'avoir l'année dernière fait des marchés, j'avais créé pour l'occasion des petites broches en argile que j'avais peintes. Et ça m'avait vachement plu. Et je peux dire que ces broches étaient trop mignonnes. J'ai pas vu, il faut que j'aille regarder. Ouais, franchement. Et en plus, on retrouvait vachement son style. Donc, ça marchait très bien. J'aimerais. Comme son style est hyper fort. Tu es en train d'aller dans ton sens, Camille. Tu peux poursuivre. Ah, merci. Merci beaucoup. C'est vraiment très... J'espère que ça ira mieux les prochaines fois, mais c'est vraiment un peu relou. Mais du coup, je disais, voilà, j'aimerais beaucoup voir ce que je suis capable de faire et travailler en fait la question du laisser-aller, du lâcher-prise, en fait, dans l'illustration. Quelque chose que j'ai du mal à faire, j'imagine, ouais. Ouais, et puis aussi le fait d'avoir la possibilité de faire des erreurs en tradit. C'est un peu de place à l'imprévu, c'est quand même... c'est sympa des fois d'y revenir. Oui, et puis il y a un truc aussi, c'est que ce qu'on fait pour nous n'a pas à finir sur Instagram. Donc ouais. Si c'est pas beau... C'est pas grave. Ça peut rester chez nous, voilà. Là. Exactement, il n'y a pas la police du monde qui va arriver chez nous. Quoi ? Vous avez fait ça ? Mais mon Dieu, mais c'est pas drôle et tout, ça va. Je pense où à terre. C'est tout moisi. Mais elle travaille avec la police de l'algorithme qui est là genre t'as pas posté depuis 2 jours. Ah non, on parle pas. Oh là là. Ça c'est aussi un autre truc quoi. Sur Insta t'es tellement dans la production qu'en fait j'ai l'impression que je sais pas, moi je suis partisane de garder certains hobbies pour soi et de pas tout poster. Mais clairement. Parce qu'on a quand même le droit d'être On en parlait de ça un petit peu la dernière fois pendant le live sur pour la musique, le fait de garder, d'avoir des à côté, des activités créatives qui ne sont pas forcément reliées à notre travail. Et, ouais. Complètement d'accord. Alexandre, ouais. Il dit que lui, il chante seul. Ah bah. Il ne veut pas nous montrer ses talents de chanteur. Il paraît qu'on n'est pas prêt. C'est son jardin secret. Non, c'est ça. Je regarde en même temps vos iPads. Clémentine avance super vite, of course, mais ça ne m'étonne plus. Mais Camille, je trouve que tu vas de plus en plus vite. Hein. Ah bah tu vois, le compliment l'a fait bugger. Elle est tellement... ça, je vais regarder un petit peu, parce que j'ai même pas vu où Camille en était. Bah, elle a fait tout le line art, elle a fait tous les contours. C'est propre. Trop cool. Donc, en vrai, tu vas hyper vite, hein, Camille. Bah, écoute, bah, merci. C'est un vrai compliment. J'essaye, ouais, bah, j'essaye d'être un peu plus efficace dans ma mise en couleur. Vu que là, du coup, j'ai pas fait du tout de,
de préparation de la mise en couleur, dans le sens où j'ai posé aucun aplat, chose que je fais parfois avant le live, vu que je voulais montrer comment marchait le système de palette avec la mise à jour de Fresco. Et, mais du coup, oui. Bon, comme d'habitude, la fin sera visible sur mon Instagram, hein, bien évidemment. Mais du coup, vous en aurez vu quand même une bonne partie. On a Béa qui dit « C'est trop joli, les filles. » Ouais, c'est vraiment super. Hein. Eh ben, merci, ça fait bien plaisir. Merci beaucoup, Béa. Allez, la texture que tu rajoutes, Camille, enfin, le petit brush, là. Ouais, j'adore ce brush. Et il est magnifique. Ouais, hein. Ouais, il est top. C'est quoi, c'est un fusain ? Alors, celui-ci, c'est le Kyle Drawing, c'est dans la Drawing Box, c'est le Shady, machin. Alors après, où est-ce qu'il est Shady. Shady. Est-ce qu'il ne serait pas dans le Mega Pack ? Je ne sais plus où est-ce qu'il est. J'en ai plusieurs de packs de Kyle et je ne sais jamais. En fait, vu que c'est les mêmes que j'utilise toujours, moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans ma palette de favoris. Comme ça, je ne les cherche plus et je les ressors quand j'ai besoin. Donc, je ne sais plus dans lequel c'est. C'est peut-être, peut-être dans les dry. Mais du coup, ouais, c'est un espèce... En fait, ce n'est pas tant du fusain, c'est plus un espèce de spray. C'est plus un espèce de spray et qui donne du coup ce côté un peu bruité dans la texture que j'aime énormément. Et qui vient un petit peu casser potentiellement terne des aplats. Enfin, bien que les aplats, ce n'est pas forcément terne, hein, bien évidemment. Mais du coup, ça casse un peu ce côté trop uni. Donc là, tu as beaucoup de blanc avec la main. Bah, c'est ça, j'ai beaucoup de blanc. Donc du coup, moi, ça me permet avec les ombrés de rajouter un peu de couleur. Et puis, elle va avoir aussi des petits tatouages. Donc, ça va venir un peu coloriser, habiller, dynamiser tout ce blanc. Et cette branche de citronnier que je vais faire aussi. Mais du coup, ouais, il y a pas mal de blanc. C'est pour ça que j'aime bien aussi habiller les bras, les choses comme ça. Je trouve que ça dynamise un petit peu. C'est trop bien parce qu'avant, elle avait les citrons autour d'elle et en fait, maintenant, elle les a sur elle, quoi. Exactement. Bah, j'ai vraiment hésité au début, c'est ce que je disais, dans ma difficulté à créer la composition de mon illustration. C'est qu'au début, j'étais partie sur est-ce que je reprends littéralement ce que j'avais fait, c'est-à-dire refaire une petite couronne et tout ça. Et c'est ce que j'ai, dans mon premier croquis, c'est ce que j'avais fait. Mais ça ne m'allait pas des masses. Enfin, du coup, c'est pour ça que j'ai testé plusieurs choses jusqu'à arriver à ce mélange entre le végétal, donc avec du coup l'arbre, la branche de citronnier, et du coup le tatouage, et aussi cette jolie petite broche qu'elle a dans les cheveux, voilà, de citron, pour habiller sa petite coiffure. Une broche qu'il faut que tu fasses pour un prochain marché. C'est moi, Sina, dit que tes broches. Il faudra venir me voir le week-end de la semaine prochaine, donc le 16 et 17 juillet. Je serai à Paris, je serai à la Cité. Tu fais les mariettes, c'est ça ? Ouais, je serai aux mariettes. Trop coup, bien. Donc, vous pourrez venir voir s'il y aura des broches de citron. Trop cool. Il y aura plein de beau monde. J'ai vu la liste. Il y a Alistès, il y a Clémence Gouy. Il y aura Clémentine, il y aura Kelly Keko, Alice Duss aussi, Alice Duss autour. Ouais, on va être une trentaine d'illustrateurices présentes sur le marché. Et il y aura plein de choses très sympas, de petites surprises à ne pas rater. Et le tout dans une ambiance, ma foi, fort agréable pour l'avoir fait déjà l'année dernière. C'était vraiment un très très chouette moment et c'était très très cool. Bah, je serai pas là. Oh mince. Non. Oh, oh non mince. J'annule mes billets. S'il te plaît, fais donc. Annule tout de suite. Ok. On a Héloïse qui dit qu'elle est hypnotisée par le coup de brush de Camille. Oh. Très bien. Et on a Charles qui voudrais savoir comment on trouve et on charge des packs de brush sur Fresco, s'il vous plaît. Ah, mais écoute, Charles, c'est tout simple.
Et ben en fait, il faut aller dans les pinceaux pixelisés et tu as tout simplement l'option ajouter des pinceaux. Et on peut soit importer un fichier, si par exemple tu prends des pinceaux, des fichiers de pinceaux que tu as peux trouver sur d'autres plateformes, ou découvrir de nouveaux pinceaux. Et vous n'êtes pas connecté à Internet? Bah oui, parce que j'ai désactivé mon Wi-Fi pour favoriser ma connexion sur le truc. Donc on va faire comme ça. Donc découvrir de nouveaux pinceaux. Non, maintenant tu es connecté, donc tu arrêtes de m'en parler. On croise les Donc, doigts que ça continue de marcher, on croise les doigts. non, mais c'est. Hop, on va y arriver, on va y arriver. Non, il veut pas! Ah! Bon, Bah, bref. normalement, là, il y a des Bah, je pinceaux. prends Ouais, le en relais fait, si tu veux. vas-y, prends le relais, Ouais, Clem. c'est ici ajouter des pinceaux. Alors là, on voit en bas associé à. Enfin, on voit en bas celle que j'ai déjà téléchargée. Et donc ajouter des pinceaux, on peut découvrir de nouveaux pinceaux. Et là, il y a les sets de brosses saisonniers que Kyle dévoile Oui. régulièrement. Et après, il y en a qui sont liés aussi à des coms d'Adobe. Donc là, il y a les brosses Kissaring, il y en a dédiées juste à l'encre. Et Ouais. franchement, là, il y a déjà tellement de choses, c'est déjà énorme. Moi, je me sens. Enfin, je vois pas pourquoi j'irais en recréer derrière parce que Kyle l'a très bien fait avant moi. Ah ouais, complètement. Et puis du coup, en plus, c'est compris dans l'abonnement qu'on a. Et du coup, on peut vraiment en télécharger. Enfin, honnêtement, on peut en avoir vraiment énormément. Hein, parce que je vois juste dans le méga pack, il y a 451 brushes. Autant dire que je dois en utiliser deux sur les 451. Mais donc, du coup, on peut facilement avoir un bon millier de brushes différentes. Au moins ça. Au moins ça. Ouais. Franchement, au moins ça. Charlie dit effectivement, il y a de quoi faire, en effet. Ah oui, il y a de quoi faire avant d'aller chercher ailleurs ou avant de créer les siennes. Après, on peut créer les siennes pour des besoins très particuliers. Mais moi, je sais que j'aime bien, enfin, je tourne toujours avec les mêmes brushes parce que je suis habituée à elles et j'aime bien leur rendu et tout ça. Donc moi, la brush principale que j'utilise, c'est une brush de gouache. C'est le pinceau naturel numéro 2 qui est déjà inclus dans Fresco, qu'on va trouver, je crois, dans Peinture, c'est ça, qui est Ouais, c'est dans ça. Peinture, et que j'aime beaucoup parce que du coup, il a cet aspect un peu rugueux sur les bords, et si on appuie, on a des aplats qui sont très très nets, et si on lève un peu le pinceau, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus léger, avec vraiment le tracé. La trace du passage du pinceau et j'avoue que j'aime beaucoup ce rendu-là. Donc Vraiment bien. Ça rend super bien. ouais. J'ai des phases dans mes favoris aussi. Il y a un moment, là, il y a quelques temps, j'ai une phase avec le graphite associé au lasso. Je le déforme au lasso, bah, un peu comme Ouais, là. le graphite est super cool. Mais avec le graphite, et c'était assez doux. Enfin, j'aimais bien. Et là, je suis sur la brosse rugueuse. Voilà. Rien que le nom, c'est genre, elle est Oui. rugueuse, quoi. Et associé Ouais. à la plume de BD classique avec laquelle je suis en train de rajouter. Et de Les la détails. BD Kyle. C'est fou. Et la Ouais. plume de BD classique, il y a automatiquement du lissage dedans. Je ne sais pas si vous connaissez, mais au cas où. Le lissage, c'est une sorte de béquille dessinée. En gros, là, si je le mets au minimum, j'ai un petit truc comme ça. Enfin, ça va être hyper fidèle à mon mouvement de Ouais. stylet. Par contre, si je le mets. Non, pas ça. C'est pas ça que je voulais faire. C'est celui d'en Voilà. dessous. Si je mets le lissage à fond et je fais le même geste. Là, j'ai fait le même et ça reste droit. Donc, pour les gens pas très précis ou pour l'ancrage, c'est quand même hyper pratique. Ouais. C'est un peu le botox de la broche, quoi. Oui, c'est Ça ça. Moi, je tient. sais que j'ai toujours, par exemple, là, sur mon brush pinceau naturel, j'ai mon lissage qui est à fond parce que j'ai la main qui tremble naturellement. Donc, du coup, c'est très frustrant pour quand je fais des tracés et tout ça. Et vu que j'utilise pas de très peu de contours, du coup, j'ai pas une zone safe en fait pour arrêter mon trait de pinceau. Donc du coup, ça me permet d'avoir quand même des contours, des zones qui sont plutôt bien définies. Et du coup, ouais, je mets toujours le lissage au max. On a Yves qui dit que tu peux créer des brosses depuis
Photoshop, mais le mettre dans ta bibliothèque Adobe, tu relances Fresco et les bibliothèques sont là. Ça, c'est quand même hyper pratique. Alexandre nous dit qu'il y a 1700 broches. Ah bah voilà. Approximativement pour Kyle. C'est tout? J'avais dit un bon millier de broches. Bah, du coup, j'étais pas loin. En fait, ce que je trouve dingue, c'est comment ils se renouvellent pour créer de nouvelles brosses. Ouais. Enfin, c'est dingue, vraiment. Ouais, surtout qu'il sort deux ou trois packs par année, puisqu'il y a le summer, il y a le winter, il y a l'été. Et nommé 1700 brosses, mais ça doit être terrible. Il y a un générateur de noms de broches, tu sais, genre. C'est ça. Les vrais se souviennent de quand il fallait acheter les packs. Oui, moi j'en avais acheté. Hein. Moi j'en avais acheté aussi. Ouais. Après, j'ai découvert que maintenant c'était quand ça a commencé à être inclus avec Adobe, j'étais genre oh man, t'as acheté tes packs et t'es là genre oh. J'avais juste à attendre 6 mois quoi. C'est ça. Non, mais on peut dire qu'on était des vrais, on était là depuis le début. J'utilisais les broches avant qu'ils soient mainstream. J'ai lu le livre avant de voir le film. C'est ça. Exactement. Alexandre dit il connaît chaque nom de broche. Wow. Non, Alexandre, tu connais chaque nom de broche? Non, c'est Kyle qui connaît chaque nom de broche. Franck, il dit il les nomme en fonction de ses amis. Ah oui, ça fait beaucoup d'amis, oui, effectivement. Oui, c'est vrai qu'il a un bon groupe d'amis. Hein. Bah ouais, ouais. Oui. Pas question de devenir amis avec lui, on aura une broche à notre nom. Ce serait de la classe internationale. Ça serait incroyable. Je pourrais partir en paix. Ouais, c'est ça. C'est, tu vois, dans ma bucket list, ça y est, ça c'est fait. Mais... Le Camille Grain 01, tu sais, c'est ça. Là, genre, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Même si elle est pas on ouf, arrête, c'est bon. On arrête tout. J'ai ma broche, elle est à moi. Je regarde en même temps, je vois les Clémentine est passée au petit détail de la salopette. Oui, les coutures. C'est les petites coutures. Oui. Oui, tu es au détail. Ouais, exactement. Je suis sur mon petit citronnier. J'aime bien, en fait, vu que je commence toujours par des gros aplats et tout ça, j'aime bien, au bout d'un moment, faire une pause et me fixer sur un élément et faire du détail à fond. Ça me fait du bien, ça me fait une petite pause. J'ai l'impression que ça avance. Je comprends. Je suis en train de... En regardant ton illustration, je me suis dit, ce serait cool qu'on fasse une session avec des motifs. Si vous êtes chaud. Ah, j'adorerais. En plus, j'en fais... Je crois que dans quasiment toutes mes illustrations, il y a des motifs. Bah ouais, pas des motifs que je crée, mais que je dessine, mais que je n'utilise pas encore l'outil pour créer les motifs et les générer et tout ça. Mais du coup, j'adore créer des patterns, des choses comme ça. Je trouve ça trop, trop cool. Ça serait ouf. Parce que là, entre les petits cœurs de Camille et la salopette, il y a quand même le lien avec la couture et tout. Les fleurs, là, ça fait un super motif aussi. Ouais, carrément, motivé. Hein. Je suis. Ah bah ouais. C'était un de mes premiers jobs, le design textile. C'est vrai? Ah ouais. Oh, c'est génial. C'est ouf. J'ai fait plus de 250 planches de motifs avec un studio. Et je ne pouvais rien montrer. Et c'était super marrant parce que c'était une personne qui m'avait contactée par le bouche à oreille. Enfin, vraiment, c'était un de mes premiers gros jobs et elle m'avait demandé si je travaillais sur Illustrator, et ce qui n'était pas le cas du tout. J'aimais pas du tout Illustrator, vraiment pas. Et donc, j'ai dit oui, bien sûr, bien entendu. Tuto Illustrator, seamless pattern, tutorial, etc. Et en fait, c'est grâce à cette expérience que j'ai chopé des trucs pour ma méthode qui me sert maintenant dans l'illustration jeunesse. Et franchement, ça a tout changé et ça conditionne même mon style jusqu'à maintenant. Enfin, je peux vraiment dérouler le fil entre ce travail sur les motifs et maintenant. Donc juste aussi ça peut être une bonne leçon pour ceux qui sont un logiciel. Ouais. Qui disent, ça, c'est pas trop mon truc et tout. On sait jamais. On sait jamais. Imposer.
Moi, j'ai menti en faisant croire que je savais coder en Irlande pour récupérer un taf, parce que j'avais vraiment besoin de sous. On m'a dit, genre, tu connais HTML et CSS? J'étais genre, yes. Aucun problème. Et le soir même, j'étais genre, HTML, genre, comment on fait? Genre, Ah ouais, parce que ça, qu'est-ce que t'as vu? tu peux pas l'apprendre dans une soirée, c'est hyper, c'est un langage Ben, en fait. ouais, en fait, ce que je faisais, c'était que là, je prenais des fichiers sur une clé USB et le soir, je passais des heures à faire un truc simple et le lendemain, je revenais et je faisais genre, je sais faire, bien sûr, ouais. Je ne recommande pas, mais néanmoins, il faut faire ce Ça. faut. Dans la classe, hein. Ouais, c'était très stressant, mais Bah, tu m'étonnes. j'avais trop besoin d'un taf, quoi. Donc, au bout d'un moment, tu Ah bah, forges. au bout d'un moment, ouais, faut être inventif, quoi. Ouais, moi Ouais. je suis prête à faire n'importe quoi, il faut payer le loyer, quoi. Moi, c'était sur. Alors, je n'avais pas menti, mais c'était sur le motion design où je m'étais auto-formée, où on avait un contrat dans une agence et du coup, on me dit, mais du coup, tu sais faire ça? Je dis, tu me laisses une semaine et je te réponds. Et du coup, genre, toute la semaine, je faisais des tutos en train de refaire des trucs tout bidons sur After Effects. Et à la fin de la semaine, je fais, c'est bon. C'est la version nulle de Matrix. I know Kung Fu now. C'est comme ça que tu as commencé le motion, c'est avec ça? C'est fou quand même. Ouais. Ouais. Okay. Du coup, après, spoiler alerte, je déteste faire du motion design. Ah Je nie After Effects. Je sais que c'est un très bon logiciel, mais à chaque fois, je fais des crises d'angoisse quand je l'ouvre. Mais je sais en faire, c'est juste que j'en retire aucun plaisir. Mais comparé à d'autres choses comme l'illustration, le design éditorial et tout ça, où je prends vraiment du plaisir à faire ça. Voilà, le motion design, je n'aime pas ça. Après, comme dit exactement comme disait Lucie, à un moment donné, faut payer le loyer, faut manger autre chose que des pâtes et mettre au moins pouvoir les chauffer les pâtes. Donc du coup, ben, je sais que du coup, je prends des contrats comme ça de temps en temps et en vrai, je me débrouille et à la fin, je regarde le truc et je me dis bon, je suis content. C'est ultra rudimentaire ce que je fais, ça n'a rien à voir avec ce que peut faire des motion designers, designeuses. Dont c'est le métier, dont ils ont eu cette formation et tout ça. Mais à la fin, je regarde, je dis, OK, ça bouge, c'est fluide, les gens sont contents, très bien. Ça me va. Enfin, ça peut... Des fois, il y a des parts exécutives comme ça. Enfin, même si tu n'aimes pas trop, je pense que si c'est une fois de temps en temps, Oui, c'est ça, faut que ce soit ouais, ça juste. te permet de décrocher un projet juste parce que ça t'as cette carte à Oui, jouer un peu, c'est il trop cool. faut avoir la possibilité, quoi. C'est Mais ça. c'est marrant parce que il n'y a pas très longtemps, là, il y avait les cérémonies de diplôme. Donc, moi, mes élèves, ils ont été diplômés, quoi. Et j'ai vu les projets et j'étais genre, ah ouais, nous, il y a 10 ans, on n'était pas aussi bons, quoi. Et je réfléchissais avec des amis à peu près de la même génération et je disais, bah, il y a un truc quand même qui a changé, c'est les tutos sur Internet, enfin, Ouais, l'abondance de bah, contenu que tellement. tu peux avoir. Et en fait, je me dis, il y a genre 10-12 ans, il n'y avait pas autant, quoi. Tu vois, genre, il n'y avait Ah bah non, pas. hein. Enfin, moi, je ne connaissais pas Skillshare, je ne parlais pas anglais, donc je n'allais pas voir sur YouTube des tutos, pas en français, quoi. Maintenant, en fait, si tu te donnes quelques semaines à fond, tu peux apprendre tellement de trucs, quoi. Enfin... Ouais, complètement. Tu as aussi ce système de communauté où du coup tu peux te rapprocher facilement grâce aux réseaux sociaux, grâce à Il y a plein de Discord aussi dans d'autres le personnes qui font des métiers connexes ou le même métier que toi, et aussi de pouvoir poser des questions, demander des conseils, des choses comme ça. Enfin, plus facile en fait d'échanger l'information, qu'elle soit une information que tu vas aller toi chercher dans du tutoriel ou alors de l'information directe que tu vas rechercher auprès de personnes. Et la formation en ligne, enfin, il y a plein de trucs aujourd'hui qui permettent de pouvoir approfondir des connaissances, en acquérir de nouvelles, etc., etc. Oui, c'est ça. Mais même, tu vois, les Adobe Live, enfin, genre, rien que le fait que tu peux regarder des créatifs parler de leur taf, poser des questions, genre, ouais, à l'époque, il n'y avait pas ça, quoi, tu Ouais, vois. non, c'est clair. Bah, je disais à Franck que cumuler tous les lives que j'ai regardés, que je regarde depuis des années, je pense que c'est ma troisième année d'études, parce que j'ai fait que 2 années d'études de VD. Non, peut-être ma troisième année d'études, c'est en étant devenue moi-même prof, parce que ça forme très très vite. Et peut-être ma quatrième, en fait, sur le long, c'est tous ces contenus que j'ai regardés, écoutés,
chez Adobe ou des podcasts ou des choses comme ça. Et en fait, ça a vachement de valeur, on ne se rend pas compte. Mais... Ouais. L'avantage, c'est qu'elle a un diplôme à la fin et ça pose un cadre. Mais par exemple, pour ceux qui ont déjà une très bonne autodiscipline, franchement, il y a moyen de se former seul sur plein de choses. Oui, c'est ça, ouais. Mais d'ailleurs, si vous avez, alors vous les filles ou dans le chat, si vous avez des formations que vous aimez particulièrement, genre juste que sur Skillshare, par exemple, il y a Extra Studio qui dit qu'After Effects is Evil. Non, After Effects est mignon, mais c'est juste que effectivement, tu forces à faire un truc. Arrêtez, c'est le mal dans un costume de mal qui permet de faire des trucs chouettes. Mais c'est clairement, quand tu arrives, c'est comme, tu sais, c'est comme tu commences un jeu vidéo, ton stuff, c'est un bouclier en bois et une épée en bois, et tu te retrouves devant un truc de 30 mètres de haut avec une sirène dedans. J'aime vraiment pas le logiciel. Et t'es en slip, tu vois, genre, c'est genre... Oui, t'es en slip et t'es devant, genre, je ne sais pas, peut-être que le, je sais pas, le ridicule, la pitié, peut-être aura-t-il pitié de moi et marchera. Moi, voilà, après, il y a aussi tout la lourdeur du logiciel qui fait que... T'as pas une machine de guerre, ton ordinateur, il se transforme en Boeing 747 et il est prêt à décoller avec le ventilateur, quoi. Mais non, j'en profite, hein, maintenant que j'ai enfin le temps de parole du fait de ma connexion pour raconter une bêtise. Mais du coup, non, c'est après, je nie After Effects, j'exagère totalement, c'est que juste, c'est pas ma cam, mais en vrai, je sais que c'est un très, 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 très bon logiciel. Juste que je sais que j'en utilise à peu près 1,5% de tout ce qu'il peut proposer. Si tu as un ordi qui soutient After Effects, enfin, moi j'ai un ordi qui le fait. Le soutien à peu près, jusqu'à quand j'arrive vers la fin du projet et que mon fichier commence à être un truc dégoulinant de gigaoctets. Non, pourquoi ? Et que quand je l'ouvre, c'est mon ordinateur qui... Tu sais, il y a un peu... Il y a The Sound of Silence de Simon & Garfunkel. Voilà, exactement. Et voilà. Mais par rapport aux formations, si vous avez un compte CPF et que vous n'en avez pas marre de recevoir des appels d'arnaque de compte CPF, mais non, il y a... Moi, j'avais fait une dernière... une formation au Gobelin. Ah, les Gobelins, ils font des formations pour les professionnels et qui sont certifiantes en plus et qui sont adaptées à tous les niveaux et dans un cadre assez privilégié. Et pour le coup, moi, je sais que j'avais payé ma formation d'expert en design graphique, d'expert en design éditorial via mon compte CPF au Gobelin. Et avec la fin, une certification et tout ça. J'ai appris plein de trucs et c'était trop, trop bien. Et on n'était que 4 dans la formation. Donc, plus les formations sont à haut niveau, moins on est nombreux et nombreuses. Mais du coup, il ne faut pas hésiter aussi à les regarder par là parce que ça reste quand même globalement accessible et c'est des formations assez intenses. J'avais regardé, moi, à l'époque, du motion, justement. Je m'étais dit, tiens, ah oui, en fait, j'ai plein d'heures et tout. En fait, pour l'instant, j'en ai pas spécialement l'utilité. Mais pendant un moment, je pense qu'il y avait aussi une énorme tendance autour de ça. Je me suis dit, ah non, le motion, mais là, je pense que j'ai d'autres choses à développer d'abord. Mais effectivement, il y avait des formations hyper complètes. Et que ce soit pris en charge, c'est quand même très bien. Riche, ouais. Ouais, c'est clair. On a celle de Manon Loire sur Skillshare. Il y a 2 formations qu'elle a faites. Cool quand tu veux commencer justement After Effects et que tu n'as pas trop peur. On a Extra Studio qui dit que Camille va se mettre à faire des calls de marchage CPF pour payer le loyer. C'est ce que je vais faire bientôt. Mais je vous promets que je ferai des blagues dedans et donc ça vaudra le coup. D'ailleurs, on parle pas, mais on arrive bientôt sur la fin, les filles. Le temps passe trop vite. Alors que j'ai enfin une connexion Internet. Mais oui, aligné. Mieux tard que jamais. Et j'ai pu vous entendre. Et c'était merveilleux. Mais bon. Mais oui. Je voulais mettre à vous dire un petit mot de la fin. Je vais avoir ton élu ou ton écami. Eh bien, écoute, voilà où j'en suis. Ça avance plutôt bien. J'ai encore pas mal de petits détails à faire, notamment sur les tatouages, des choses comme ça, puis l'arrière-plan que je vais travailler aussi pour le texturer.
Mais du coup, bah, c'est un sacré... voilà, avant et du coup maintenant. Donc du coup, mais du coup, je trouve ça chouette. C'est un super... Ouais, mais du coup, moi aussi, hein. Je veux voir ton illustration. Parce que moi, j'avais voté pour la fille aux fleurs. Moi aussi, j'avais voté pour la fille aux fleurs. Avec un Nagini joyeux et vibré. Voilà. Donc, j'ai encore des détails à ajouter. Après, je vais voir pour les couleurs. Faut voir. Je ne fais pas des réglages à la fin. Mais voilà où ça en est. Et donc, c'est on voit les effets de la dynamique de la couleur. Ouais, c'est vraiment trop, trop cool. Ouais, ça fait un effet de ouf. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est trop sympa le résultat là. Ouais, ça permet de faire un saut dans le temps et de comparer tes styles. C'est trop bien. Si jamais vous-même, je lance ça comme ça spontanément, mais s'il y a des personnes après le live qui se sentent inspirées, qui ont envie de revisiter une de leurs vieilles élus, pourquoi pas nous taguer dans une story, oui, dans leur post. Taguez-nous. Voilà, c'est oui, carrément. Et mettez le nouveau et l'ancien, l'un à côté de l'autre. Voilà. Enfin, genre dans ouais, c'est ça, comme tu le vois, ça serait trop, trop cool. Vraiment trop cool. Voilà. Puis, en petit mot de la fin, c'était trop cool de faire cette saison tous ensemble. C'était trop bien parce qu'il me semble que les vacances approchent. Sont la semaine prochaine, effectivement. C'est déjà la semaine prochaine. Et donc, du coup, c'était vraiment trop, trop bien. Et on espère vous retrouver bientôt parce qu'on a plein d'idées avec Clémentine de thèmes à aborder ensemble. Bah, déjà, on veut faire les motifs. Là, on a même des idées pendant le live. Les motifs, les fonctions vectorielles, peut-être aussi. Voilà, se faire des dessins vectoriels aussi. On a aussi cette possibilité là avec Fresco et ça c'est vraiment très très cool mais donc c'est vraiment trop trop bien, trop trop chouette de partager ce moment là tous ensemble. Moi je sais que ça m'a vachement on est là pour transmettre, pour partager des trucs techniques, des choses liées à notre milieu, mais en fait ça, par exemple moi, c'est rien que ces 6 derniers mois, ça a vachement nourri aussi mon style, ma technique et ouais. Et aussi, personnellement, un peu plus à l'aise à parler en public. Donc, c'est du feu là-dessus. Voilà. Faut pas croire comme ça, mais en fait, en vrai, on est des petites bêtes timides. Et du coup, c'est trop cool de se retrouver dans un espace safe et de pouvoir partager ce qu'on aime et ce qu'on aime faire au quotidien et tout, et c'est vraiment trop cool. Ouais, donc on espère que ça vous aura plu. Si vous en avez manqué, il y en a en replay. Et yes. Puis nous, on peut se souhaiter de très bonnes vacances. Yes. Avec du dessin ou sans dessin. Demain sur ADB France Live, vous serez avec Franck et vous aurez Brett et compagnie, donc générique de film. Et puis la semaine prochaine, il y aura Pauline. Et là, après, ça sera les vacances. Donc, si vous avez des idées pour les sessions de la rentrée, si vous voulez voir quelque chose, la semaine prochaine, c'est Pierre Munier, pardon, avec Pauline au lundi. Si vous avez quelque chose que vous voulez voir et tout, n'hésitez pas. Adobe Live, on sera en vacances du partir du 15 juillet jusqu'au 16 août. Donc, à la rentrée, on espère tous vous revoir. Et puis, très bonnes vacances à tout le monde. Oui. Dessinez bien pour vous. Bye bye les gens. Au revoir. Bye bye.